Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors, ne faites pas attention à ça, c'est juste petit problème de poignet, voilà, rien de bien méchant. Voilà, donc je tiens à mettre les choses au clair tout de suite, voilà. Il n'y a rien qui m'est arrivé de grave. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'un goût, voilà, donc d'un test de la mûre, tout simplement. Donc, qui a été pris à Point Smoke, si je me trompe pas. Attendez que je regarde Point Smoke ou pas, Point Smoke ou pas. Je sais pas. Voilà, c'est pas indiqué sur le truc. Alors, je tiens à remercier un ami à moi qui m'a généreusement donné deux goûts. Donc qui sont bah, la mûre et River. Donc je sais pas avec mon accent un pété d'anglais. Donc voilà, vous verrez un peu flou à cause de bah, la mise au point qui se fait jamais. Donc j'ai déjà testé les deux. Voilà, donc je vous le dis direct. Bah là, je vais faire avec vous celui-ci, hein, vous donner mon avis et tout ça. Donc, c'est en 6 mg de nicotine. Donc, moi, lui, il les a pas appréciés, ou alors c'était trop fort pour lui. Du coup, il me les a passés. Et River. Donc, River qui est très spécial, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, ça se trouve, je fais tellement de vidéos sur les goûts cigarettes électroniques que je vais me reconvertir, qui sait, en testeur de goût, en conseiller. Enfin bref, en youtubeur cigarette électronique. Qui sait, je peux même peut-être faire une chaîne parallèle, j'en ai l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je devrais faire. Donc je tenais à vous présenter un petit produit que j'ai acheté aussi. Donc ça y est, j'ai le site. Donc je le mettrai plus tard dans la description. Si vous le voyez pas encore, c'est normal. Si vous le voyez, c'est que je l'ai fait. Donc c'est acheté sur arôme liquidearome.fr. Donc j'ai acheté celui-ci, donc le goût weed à liquide et arôme.fr. Donc je tiens à les remercier. Et là ça n'a rien à voir, j'ai acheté un petit truc, donc un petit pot de 100 mg, 100 mg pour faire vos mélanges tout simplement, ou alors mettre juste du liquide normal et mettre une ou deux petites gouttes à l'intérieur histoire d'avoir plus de liquide. Genre vous mettez deux gouttes de ça dans un liquide blanc. De nicotine normale, enfin un liquide pour club électronique normal, et bah vous aurez tout ça de ça, voilà, en deux gouttes. Donc c'est vraiment un truc rentable, voilà. Donc j'ai reçu ce petit pot, donc et toujours avec leur petit truc sympa, la tête brûlée. Donc voilà, je sais pas s'ils font ça à tous les clients, mais en tout cas c'est très sympa de leur part. Donc dedans, je vous dirai c'est quoi. Donc là, je vais faire un test, voilà, plus tard. Merde, j'ai mélangé trois goûts, donc celui du cannabis, celui de la mûre, ouais, mûre, et celui du Space Jam. Donc ça fait pas mal de mélange, j'espère que ce sera bon, on verra bien. Donc voilà, donc tout de suite, oula, le cap qui se débranche, c'est génial, la vidéo part en steak. Donc je tiens à vous préciser que je vous ferai bientôt du GTA, malheureusement il s'est désinstallé pour des raisons inconnues. Donc je suis en train de le réinstaller, malheureusement ça prend du temps, voilà. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent sur GTA. Je compte faire un peu plus de GTA. Voilà, ça me plaît aussi également. Donc c'est parti. Donc là on a déjà le goût de mid dedans, donc qui est celui-ci, un mûr. Voilà. Donc je crois que c'était ce point de smoke aussi. Et là je suis sur du 55,5. Donc c'est un peu plus fort que d'habitude. Bah c'est parti. Allons-y. Pas mal, on sent pas mal le goût de la mûre, ça il n'y a pas de souci là-dessus. On sent un léger goût de nicotine derrière, enfin un petit truc un peu plus fort. Et j'aime bien ce petit arrière-goût de nicotine. Après c'est peut-être parce que voilà, moi j'ai l'habitude de prendre avec nicotine. Ouais, on sent bien la mûre, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, je tiens à vous préciser que dans mes prochaines vidéos, ce sera donc le test de ces trois mélanges que j'ai fait. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Et il y aura le test, évidemment, du goût River. Donc, qui est chocolat et je ne sais plus quoi. Donc, il sent très fort, hein, franchement. Voilà.
Donc si vous ouvrez la petite bouteille de la mûre, vous sentez vraiment pas trop la mûre. Hein. Franchement, il n'y a pas d'odeur particulière de mûre. Voilà, vous sentirez pas plus que ça. Très bon goût mûr. Donc je remercie à mort mon pote de m'avoir passé ça. Franchement, il est énorme pour ma part, je le trouve bien. Donc lui, il a pas l'habitude de prendre avec nicotine, donc c'est pour ça qu'il a dû me le laisser. C'est trop fort pour lui, ça lui a arraché la gorge. Donc voilà. Donc on fait une petite dernière latte, voilà. Allez, on va se faire un petit kiff. On va monter jusqu'à 65. Maximum, je peux monter à 80. Allez, 65,5. On fait ça ? Donc allez, on fait un petit dernier kiff et puis je vais vous laisser là-dessus. Très bon goût, franchement je suis pas déçu. On ressent un petit peu la mûre, mais franchement c'est pas trop fort ni trop léger. Franchement, le juste milieu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vais vous laisser sur cette petite fin. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me ferait énormément plaisir. Vous êtes chaque jour de plus en plus à me suivre et ça fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je devrais peut-être me reconvertir en cigarette électronique ou si je devrais créer une chaîne secondaire ou je sais pas. J'y réfléchis beaucoup. Parce que ça me plaît énormément de vous faire ce genre de vidéo. Après, ça plaît pas forcément à ma communauté, puisque à la base c'est une communauté Call of Duty. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous proposer sur Call of Duty. Bon, là, il me reste le zombie à vous faire sur IW, mais sachez que voilà, le Call of Duty, j'y ai perdu goût. Par rapport à la communauté, le réseau qu'il y a sur les serveurs, j'y ai perdu vraiment goût. J'essaierai de me remettre dedans. Voilà, en plus surtout qu'il y a IW World War 2 qui arrive et une potentielle arrivée du DLC 5 de Black Ops 3, donc qui est que du zombie. Donc là j'aurai de quoi vous faire des vidéos assez longues. Et voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à être actif sur les commentaires, ça sert beaucoup et ça sert à ça surtout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. Et moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Voilà. Et je vous retrouve dans une prochaine. Ciao les potes.